Oui. Dominic Rankin, déjeuné Cazon. Je m'appelle Dominic Rankin. Et mon vrai nom, c'est Capi Théotec. Les gens me connaissent par ce nom-là. Et je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Et je fais partie dans la famille Mamiwinig, qu'on connaît par le nom des Algonquins. Et alors, je suis dans cette belle famille. Je suis ici pour donner mon support, pour donner aussi ma connaissance. C'est grâce à des aînés chez moi que j'ai eu beaucoup des histoires. Qui sommes-nous? Puis d'où on vient? Et nous sommes des peuples nomades. Alors, ce territoire ici, on entendait souvent parler aussi de cette histoire de Montréal. Et aujourd'hui, je participe à cette montée comme ça, un musée qui est vraiment, ça touche vraiment dans la vérité. Et nous sommes fiers encore plus aujourd'hui par rapport de toute découverte aussi au niveau de la science, marié avec aussi vraiment l'histoire de mes peuples. Alors pour moi, je suis vraiment honoré de participer de cet lieu ici pour donner sur notre côté, qui on est, d'où on vient. Et c'est beaucoup la fierté que j'ai participé ici. Pour moi, c'est important de transmettre à qui que ce soit, et surtout pour les futures générations. Et le mot nomade, c'est vraiment une façon de vivre toujours par rapport des saisons, toujours par rapport des animaux. Et alors, la vie nomade, c'est important pour moi, quand il y a des changements de saison. Et c'est le plus bel mouvement qu'on fait pour respecter des animaux, pour respecter la terre maman. C'est elle qui nous donne la chance de vivre. Et les animaux, eux, ils nous font signe quand c'est le moment de bouger. Alors, à l'automne, on retourne dans notre territoire ancestral où on reçoit beaucoup des enseignements, des orales et visuels aussi, tous les jours. Tous les jours, les enfants sont libres. C'est la liberté aussi. Maman ne m'a jamais dit « reste à la maison », jamais. Au contraire, il nous poussait d'aller vivre dans la forêt. Alors moi, qu'est-ce que j'ai appris, c'est important qu'un enfant il doit apprendre à vivre dans la survie en forêt, survie aquatique, et tout ça, par le respect des animaux. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup à transmettre aux enfants, qu'ils reprennent tout ce qu'ils ont perdu. Même la spiritualité, c'est un grand rôle chez nous, à respecter l'animal, tu sais, à remercier les castors qui nous a donné sa vie. Alors, il y a toute une cérémonie. Imaginez quand on reçoit la médecine de l'ours aussi, tu sais, parce que la graisse d'ours, c'est important. Tous les animaux, ils nous donnent plein de choses pour aller dans la guérison corporelle et aussi mentale.